les volontés passées de Vincent Lambert, pourtant clairement exprimées et confirmées par écrit par plusieurs membres de sa famille, ne témoignaient pas d'une volonté expresse de ne pas accepter de vivre dans cet état. Que la persistance d'une perception émotionnelle et l'existence d'une possible réaction à son environnement, que les traitements qui lui sont administrés peuvent avoir pour effet la conservation d'un certain lien relationnel, n'ont pas pour objet de maintenir Vincent Lambert artificiellement en vie. Or, la définition de l'obstination déraisonnable est de responsabilité médicale. Elle nécessite le savoir médical, devant intégrer la volonté passée de la personne si elle s'est exprimée, son état actuel, la douleur qu'elle pourrait ressentir, l'évolution de son état et la prise en compte de son intérêt au regard de son avenir, la douleur aussi de sa famille et de son devenir, les obligations déontologiques du médecin et les contraintes légales, en particulier rappelées par son article 37. Enfin, les argumentations développées pendant la discussion collégiale, éclairées par les avis de la famille. Vincent Lambert est en incapacité d'exprimer ses volontés et aucun code de communication fiable ne peut être mis en place. En conséquence, aucun lien relationnel au sens d'un échange entre deux êtres est possible. Notre décision, conformément à la loi, a intégré l'avis de son épouse, de ses parents, de ses 8 frères et sœurs. Elle s'est appuyée sur un collège médical de 7 médecins, dont 4 extérieurs au service. Mais elle peut en plus bénéficier de l'avis du groupe de réflexion éthique clinique et soins de Reims, qui a été sollicité et qui a confirmé cette obstination déraisonnable. C'est donc en conscience que le 11 janvier dernier, j'ai rendu ma décision en confirmant que Vincent Lambert n'aurait pas voulu être maintenu en vie dans cet état et que ça constituait une obstination déraisonnable de poursuivre son maintien en vie à travers le maintien de cette nutrition et de cette hydratation artificielle. Au vu des enjeux et des conséquences, je pense à titre personnel que nous devons contester ces décisions en Conseil d'État. Mais je ne suis pas seul à décider parce que, vous le savez bien, ce jugement met en cause mon établissement. Nous réfléchissons de concert avec ma direction générale sur la pertinence à faire appel.